François de la Bête qui nous a mis pilote Lupis 709. Le club Saint-Marcelois. Attention, le motoclub de l'Amblavez donc qui nous accueillera pour la finale. Boussaka et Anthony Bourson. Thank you.
j'ai vu venir. Il a pas de... Allez, 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 allez. Ah!
Oh,
142. Thank you.
vous reverrez revenir nos pilotes. Johan Boldoir, lui aussi champion de France, vol sur la France nationale de vol. Johan Boldoir aux couleurs de chaque côté de la dans un instant, Jean-Philippe Minaudier. Par bon sens. Derrière Vissac, devant Ronsin, 5e temps, 5,44, 271 millièmes, à 12 secondes et demie de... Un lieu de part. Et Jérémy Miroir, le 4e pilote de l'équipe de France. Thank you.
c'est la motel, je pêche. Vont entrer en spécial les élites 2, je vois Paula qui est déjà là, et ça d'ailleurs, Dudu, Paula va même entrer dans quelques secondes, j'ai l'impression, oui. Paula entre en spécial de Pierre-Alexandre Né. Et vous gardez en cinquième position, une 32. J'attends la sortie de Gigi maintenant, de Jérémy Joly. Spécial de l'autre côté de... Ensuite, Antoine Bassé, pilote de l'équipe de France, sur la gamme numéro 4, armée, équipe de France, armée de terre FFM. Antoine Bassé, départ de sa numéro 4. Et on est sur la sortie d'Anthony Pierre. Entrée en spécial de Pierre Vissac, pilote de la SM Villebray, le champion de France la 2012, et sortie de Méo dans quelques instants. Sortie attendue de Johan Voldoir et de Simon Remieux, d'Antonio Dieu et de Romain Boucardet pour le chrono des éditeurs. Pour la sortie dans quelques instants, Pela sur les affaires de l'édition numéro 1. Et voilà, Pela en 5-31.